Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, là, non, alors là, ça va pas du tout. Vous avez pu voir ce qui vient de se passer ou pas? Non? Hein? Le Paris Saint-Germain vient de se faire fracasser. 3-1 face à Lens. 3 balles dans la tête face à Lens. Quand on voit l'apport incroyable que le roi Neymar peut avoir au Paris Saint-Germain, tout le monde l'insulte. Tout le monde le néglige. Vous avez vu ce soir? Quand il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est la débandade. Danilo, a.k.a. Piccolo, il a trop picolé. Fabien Ruiz. Alors lui, je comprends pas. Fabien Ruiz, lui, c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a quitté l'Italie pour venir nous montrer son pied gauche d'une nullité. C'était une pied de cochon là qui nous a fait là. C'est quoi ça? Il arrivait même pas à contrôler le ballon. 12 ballons perdus. Tu te crois où? Hein? Tu veux perdre tous les ballons? Hein? Tu joues à cache-cache avec le ballon? Ouais, je pose le ballon, allez, je m'en vais. C'est quoi ça? Tu sais que le Paris Saint-Germain, quand vous rentrez sur le terrain, vous avez des objectifs. Hein? La défaite est inacceptable. Avec l'effectif absolument incroyable qu'on a, c'est impossible de se faire fracasser comme ça. Là, on va pas se mentir, Lens a réalisé un très gros match, mais le Paris Saint-Germain n'a pas réalisé un bon match. Tu comprends ce que je t'explique? D'habitude, le Paris Saint-Germain, avec ce niveau, ils arrivent à gagner. Mais là, ce soir, comme on a pu voir Lens, comment ils se sont organisés, ils se sont entraînés, eux, ils ont pas fait le réveillon. Tu penses qu'eux, ils ont fait la fête hier, le 31? Mais non, n'importe quoi. Ils se sont entraînés. Ils ont regardé toutes les vidéos de tous les Parisiens. C'est pour ça que là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mbappé, il y avait 4 Lensois sur lui. Hein? Des soldats. Nous, c'était pas des soldats qu'on avait là, ce soir. Non. On avait des mannequins, des artistes. Tu vois, les bobos, des gens en claquettes, des gens pieds nus, des blancs avec des locks. C'est ça qu'on avait. Voilà, on avait. Là, on a envoyé les joueurs de Château Rouge à Lens. Et on pense qu'on pouvait faire quelque chose. Mesdames et messieurs, dans tous les cas, c'est un faux pas du Paris Saint-Germain qui va provoquer, vous le savez, un réveil absolument incroyable. La prochaine équipe qui va subir les conséquences de cet échec va être absolument monumentale. Nous savons, quand le Paris Saint-Germain perd, il se mange une petite gifle. Des fois, c'est une grosse gifle. Parce que souvent, vous le savez, ça arrive souvent aussi en Ligue des Champions. Mais quand on se mange une gifle comme ça, après, on rigole plus. Tu comprends? On rigole plus. Donc là, nous allons voir si vous faites les malins avec l'effectif rempli, avec les Neymar, Messi. Là, parce que là, on avait Fabien Ruiz, Danilo. Fabien Ruiz et Danilo, eux, ils peuvent jouer à Saint-Etienne. Avec le niveau qu'ils ont eu ce soir. Ils auraient pu aller à Saint-Etienne. Mais oui, à Bordeaux, les relégables. Ils auraient pu aller là-bas. C'est quoi ça? Là, là, alors, mais moi, tu mais franchement, 5 matchs sans jouer. C'est pas possible de lancer des joueurs professionnels et ils nous sortent des matchs comme ça. T'as pas vu l'entrée des petits jeunes? 16 ans, 18 ans, beaucoup plus d'envie. Garbi, Wahir Zaïre-Emery, là. T'as pas vu ?